Le génie d'Enfer Rochereau aura été de retarder au maximum l'avancée du Prussien, et pour cela, il va les gêner au maximum par le biais de son artillerie à longue portée. La citadelle de Belfort, c'est un ensemble extrêmement complexe de fortifications qui est le fruit de 5 siècles d'évolution stratégique. Le colonel d'Enfer Rochereau, c'est un polytechnicien, c'est un soldat de terrain, c'est un très bon tacticien qui se spécialise dans le génie et l'artillerie. Et lorsqu'il arrive en 1864 à Belfort, va tout de suite procéder à l'édification de fortifications aux alentours de la citadelle pour la moderniser. Ce nécessaire est très précieux pour les musées parce que c'est un dépôt de la famille d'Enfer Rochereau que nous conservons actuellement au musée. C'est un très bel écrin en cuir et en velours vert qui contient un nécessaire de géométrie. Donc vous y trouvez des compas en laiton et en os. Il est en excellent état et il peut peut-être à lui seul résumer en fait le succès du siège de Belfort, qui repose à la fois sur une utilisation intelligente de l'artillerie, mais également une optimisation des fortifications. D'Enfer Rochereau a réparti intelligemment son artillerie sur plusieurs forts. Les principales pièces étaient situées donc à la citadelle, on appelait ça la place du château, notamment dans les batteries axo haute et basse. Ce nécessaire de compas l'a accompagné dans sa casemate pendant le siège de 1870, notamment pour les relevés topographiques et notamment les calculs d'artillerie et de balistique. Alors, ce sont principalement des pièces de 24 rayés, ce sont des gros canons qui permettent de tirer à plusieurs kilomètres et qui tiennent en respect, on va dire, le travail de sape que les Prussiens entreprennent pour investir la place et approcher petit à petit de la citadelle. Après 103 jours de siège, dont 73 de bombardement, d'Enfer Rochereau se refusera toujours de rendre la place. Il faut attendre un ordre du gouvernement. D'Enfer Rochereau ne se considérera pas comme vaincu, donc sortira avec ses troupes, armes à la main. Ce qui fait la singularité de Belfort, la ville qui ne s'est pas rendue.